tous. Bon, c'était pour faire une petite vidéo, un petit vlog bizarre. En fait, ce qui va se passer, c'est que là aujourd'hui on va aller au Kanamara Matsuri. Je vais voir si je fais une petite sous-titre et tout ça. Bon. C'est bizarre. J'ai un point là. Oh, c'est chou ça. Oh, c'est trop bizarre. Bref. Donc là, je vais au Kanamara Matsuri. On va essayer de ne pas se planter au niveau des métros, tout ça. Donc voilà. C'est une bonne chose. 6 km. Cette queue. La queue pour faire. Ouais, exactement. C'est ça. Ça va être le slogan. Il n'y a rien à faire. Si vous aimez faire. Il bien attendre. Mettre. Il faut bien préciser. La queue pour attendre. Si on va au Kanamara Matsuri quand même. Donc là, c'est la queue pour rentrer dans le festival. Pour rentrer, pour sortir. Ben là, c'est pour rentrer. Pour voir des phallus géants. Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est du gros. Ça, ils ont le moyen de nous faire parler. Faut gueuler surtout. Qu'est-ce qu'il a sur tout ça? C'est une casquette. Ah, je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est un peu compliqué de faire un vlog. Il y a tellement de bruit. Donc c'est le temple de... C'est le temple. Le Kawasaki. Et j'ai paumé mon groupe. Et là t'as tous les téléphones qui se lèvent dans un unisson. Ouais, c'est ça. さあ、若宮八幡宮のお囃子の皆様、鳥居をくぐります。 はい、くぐりました。さあ、スタートです。さあ、次は、おお、すごいすごい。エリザベス2世がものすごい勢いで立ち上がりました。さあ、鳥居をくぐります。出発をいたします。 Ah, ça y est, il bouge. Funamikoshi-ga前でまさんが作った金丸みこしです。 今年は境内にあふれてしまっています。大師公園の方に、分子といいますか、お土産とかいろんなものが、
prima. J'ai vu des zizi partout. Un zizi en bois, un zizi en fer et un zizi en plastique. On en a tous. Quelle classe. On se retrouve et tout ça, on s'est fait plaisir. Donc là, je rentre à la guest house. Donc c'était sympa, donc je sors du Kanamara Matsuri. Donc c'est peut-être un peu bizarre le truc, mais en fait c'est une fête de la fertilité en fait. C'est au début du printemps, c'était le 1er avril. Mais c'est le premier dimanche du mois d'avril en fait, ça se fait. Et là c'est tombé pile le 1er avril, donc c'est assez amusant. Donc c'était rigolo, j'y suis allé avec Meetup, donc c'est assez sympa. C'est une application où il y a des gens qui s'occupent de faire des rencontres, d'où le terme Meetup, etc. Donc c'était vraiment sympa de voir un festival. Donc là c'est vrai que c'était spécial, il y avait trois pénis différents en fait. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis au Japon, on va pas me comprendre si je parle fort. Et donc un en bois, un en plastique, celui qui était rose c'était le plastique. Et en fer c'était le noir. Voilà. On a fait un petit tour aussi, moi j'ai pas fait de vidéo ni de photo parce que c'est interdit. On est allé ça s'appelle le warehouse. C'est un endroit en fait où ils ont fait une réplique du vieux Hong Kong et tout ça. Donc tu rentres, ça fait un peu une maison d'horreur. Tu montes à l'étage après. Et après c'est Hong Kong et tout ça. Et juste pendant 2-3 minutes et après t'as plein de bandes d'arcade de partout. Des UFO catchers, plein de trucs. On a fait que les deux premiers étages. Je compte le rez-de-chaussée comme un étage. Voilà. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Et vu là où on est, on dit matinée.